Buenas tardes. Bonsoir. Sí. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotras y nosotros a Sophie Bessis dentro de este ciclo de sesiones sobre las guerras, la violencia, la dominación que estamos viviendo en el mundo actual, en el mundo árabe musulmán. Y ella va a impartir una conferencia sobre titulada El occidente postmoderno del universalismo de los principios a la mundialización de los intereses. Sophie Bessis, nacida en Túnez, es historiadora y periodista franco-tunecina. Es catedrática de historia y ha sido redactora jefe en el diario Jeune Afrique. Ha trabajado además como redactora en diversas revistas especializadas como Ferida, Afrique Agriculture, Vivre Autrement y El Courrier de l'UNESCO. Asimismo, ha sido directora de investigación e innovación en el Institut de Relations Internationales Stratégiques, IRIS, de París, aunque ahora no trabaja más allí, ¿no? Maintenant, vous ne travaillez plus à IRIS, n'appartenez plus. Y ha sido secretaria general adjunta de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Sophie Bessis ha impartido clases de economía política en el Departamento de Ciencias Políticas de la Université de la Sorbonne, en París, y en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales. Ha dirigido además numerosas misiones en distintos países de África en calidad de consultora de la UNICEF y la UNESCO. Es autora de una docena de obras relativas al Magreb, al desarrollo y los problemas por falta de alimentos en los países en vías de desarrollo. También trabaja en las problemáticas de las mujeres y algunos de sus libros más famosos es Occidente y los otros, Historia de una supremacía. Es un libro clave para comprender la genealogía del poder occidental, el colonialismo, la dominación y sus ideologías, aparte de todas sus tramas político-económicas, territoriales, que está precisamente aquí en la biblioteca, así como las emergencias del mundo, economía, poder, alteridad y mujer y familia en las sociedades árabes actuales. Bienvenue, Sophie, et merci pour être avec nous, pour venir, et je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à faire cette intervention. Je m'excuse, je vais parler en français. Pendant le débat, vous pourrez poser vos questions en espagnol, je le comprends bien, mais je ne parle pas suffisamment bien pour pouvoir m'exprimer sans faute. Alors effectivement, comme vous le disiez, Piedad, je vais essayer, ce qui n'est pas facile, de m'interroger devant vous sur les évolutions du monde contemporain et sur un aspect de cette évolution du monde contemporain qui me paraît être le passage, au cours des 30 dernières années, de l'universalisme à la mondialisation. En essayant de vous montrer en quoi, contrairement à ce que l'on peut croire aujourd'hui, l'universalisme et la mondialisation sont deux visions du monde totalement antinomiques. Et la mondialisation n'est pas une modalité de l'universalisme, mais est peut-être son contraire. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. En quoi ce sont deux figures antinomiques des conceptions du monde aujourd'hui. Alors, je vais structurer mon intervention autour de trois questions. Je vais essayer de résumer l'histoire de cet universalisme dans le monde occidental, c'est-à-dire en gros en Europe et en Amérique du Nord,
en quoi, de quelle façon il a structuré l'hégémonie occidentale. Ensuite, je vais montrer ce qui s'est passé dans les années 1980, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler ce retournement conservateur des années 1980, où petit à petit, là, l'universalisme est remis en question avec la montée de la mondialisation. Et ensuite, et enfin, dans un troisième moment, je vais essayer de montrer comment, à mon avis, bien sûr, c'est sujet à débat, la mondialisation est une modalité de la post-modernité, justement, et donc s'inscrit en opposition aux universaux de la modernité. Alors, ce qui est intéressant peut-être au départ de dire, c'est que le terme de mondialisation que l'on emploie aujourd'hui, c'est probablement un des termes les plus utilisés pour décrire les mutations du monde contemporain. On parle de mondialisation. Ce mot, jusqu'aux années 1980, peut-être à peu près, était un mot qui était employé essentiellement dans la littérature savante, et surtout d'ailleurs dans le domaine historique, plus que dans le domaine économique, si je me réfère à l'historien français Fernand Braudel, par exemple. Fernand Braudel parle de ce qu'a été la mondialisation dans l'histoire de l'Occident. Aujourd'hui, c'est un mot clé du langage commun, et il s'impose comme une tautologie explicative des mutations d'aujourd'hui. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est que, tandis que les frontières géographiques aujourd'hui des États n'ont plus beaucoup d'importance, que la notion de territoire est en train de disparaître pour laisser place à un seul espace économique mondial qui est unifié par le commerce, qui est unifié par les investissements, par la finance, donc un monde mondialisé, eh bien, l'universalisme, et j'y reviendrai dans un instant, qui a été la marque de la modernité, semble être emporté par la vague de la mondialisation. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, premier point, l'universalisme a été instrumentalisé, et à la fois l'universalisme et son instrumentalisation ont été les moteurs de l'histoire moderne. Si on prend l'histoire de la suprématie occidentale sur le reste du monde, allez, on va dire, parce que le monde aime bien les dates, on va dire que cette histoire de la suprématie occidentale a à peu près 5 siècles, un peu plus peut-être, si on choisit comme date du début de cette suprématie, le départ, l'arrivée de Christophe Colomb, que vous connaissez bien, je crois, en Espagne, l'arrivée de Christophe Colomb sur les côtes des îles Caraïbes. Et en arrivant sur les côtes américaines, l'explorateur inaugure la première phase historique de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et pendant très longtemps, le seul opérateur de cette mondialisation a été l'Occident. L'Europe d'abord, puis l'Europe et l'Amérique du Nord à partir du XVIIIe siècle. Mais cette expansion de l'Occident à partir du XVIe siècle s'est faite dans un contexte très particulier. Ce contexte, c'est-à-dire entre la Renaissance et la fin du XVIIIe siècle, ce contexte, c'est le contexte de ce qu'on appelle la modernité. Et donc, l'expansion occidentale et la modernité ont marché ensemble pendant une longue période de l'histoire. Et cette modernité occidentale a une particularité. Une particularité, c'est qu'elle a forgé une série de principes que l'on peut résumer, parce que malheureusement, je n'ai pas le temps de développer, que l'on peut résumer sous l'appellation de son socle, qui est l'universel profane. C'est-à-dire que l'universel de la modernité occidentale a été un universel de séparation d'avec l'instance religieuse, et que cette modernité s'est constituée à la fois par la constitution du socle de ce qu'on a appelé l'universalisme et d'un socle qui a été un socle profane, un socle à partir petit à petit entre la Renaissance et le XVIIIe siècle détaché de l'instance religieuse.
Mais, et c'est le paradoxe de l'Occident, j'y reviendrai dans un instant, au XVIIe, XVIIIe siècle, le paradigme de ces universaux s'est construit philosophiquement, et en même temps que l'Occident construisait les paradigmes philosophiques de ces universaux, il n'a cessé de les violer concrètement. Si l'on... L'universel de la modernité, qu'est-ce qu'il fait ? Il produit, il postule l'existence d'un individu libre ou qui aspire à la liberté et qui est doté des mêmes droits dans tous les lieux, dans toutes les circonstances et dans tous les temps. On peut le voir dans un certain nombre de textes fondateurs, comme la Déclaration d'indépendance des États-Unis, par exemple, où il est dit dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1778, si mes souvenirs sont bons, que l'homme est un être libre qui est fait pour la liberté, l'égalité et le bonheur. La Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, évidemment, en 1789, et j'aurais pu remonter plus haut, le Bill of Rights en Angleterre, etc. Et d'ailleurs, j'y reviendrai dans un instant, donc on peut arriver jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, j'y reviendrai. Et donc, c'est l'universalité des droits liés à la condition humaine et une constante de la pensée occidentale. La condition humaine, le genre humain, implique la possession de droits inhérents à la personne humaine. On revient à la philosophie de Locke, etc. Mais pendant toute cette période, disons du 18e, 19e, cette universalité est cantonnée au monde occidental. Et à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, on peut parler, je vais faire un pléonasme d'une certaine façon, d'une universalisation de l'universel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que c'est à partir de la deuxième moitié du XXe siècle que ces principes ont commencé à être appropriés dans leur formulation moderne par l'ensemble de la planète. Et ils ne sont pas restés cantonnés à l'Occident, c'est-à-dire que du nord au sud du monde, eh bien, la démocratie, la liberté ne sont plus vues comme le seul produit de la pensée occidentale, donc de l'occidentalisation du monde, mais comme un bien commun de l'humanité tout entière. Et là, c'est un changement tout à fait important. Mais, et c'est un des problèmes, cette universalisation de l'universel, comme on peut l'appeler, se produit dans un contexte nouveau de nos jours, où l'universel lui-même est attaqué dans son centre par la phase actuelle de la mondialisation. Puisque je vous disais que la première phase historique de la mondialisation est celle du XVIe siècle, puis elle a continué avec la colonisation, etc. En fait, pourquoi ? Parce que l'Occident a toujours entretenu un rapport extrêmement complexe avec l'universalisme dont il s'est toujours réclamé depuis le XVIe siècle. Mais il s'est toujours réclamé de cet universalisme en privant certaines catégories de population des bénéfices de cet universalisme selon ses intérêts. Je vous en donnerai trois exemples. Dès que l'universalisme a été pensé par ce qu'on a appelé les penseurs des Lumières, bien sûr, des catégories de population ont été privées. D'abord les femmes. Évidemment, les femmes n'ont été dotées d'aucun droit par la philosophie des Lumières, ni par la Révolution française, ni par... Donc les femmes ont été exclues des bénéfices de cet universalisme. Ensuite, les esclaves ont été exclus des bénéfices de l'universalisme. Je vous parlais il y a un instant de la déclaration d'indépendance américaine. Tous les humains sont faits pour avoir droit à la liberté, à l'égalité, au bonheur, sauf les esclaves. Évidemment, Washington, le père de l'indépendance américaine, était un grand propriétaire d'esclaves, par exemple. Bon. Ensuite, à partir du 19e siècle et de la grande expansion occidentale dans le reste du monde, les peuples colonisés, les populations colonisées ont
ont également été privés de ces droits inhérents à la condition humaine. Et donc vous voyez, en même temps que la liberté était conçue comme un horizon indépassable de la condition humaine, eh bien, les trois quarts de l'humanité, on peut dire, ont été privés de ces bénéfices de l'universalisme. Et en même temps, cet universalisme a toujours été convoqué par les entreprises occidentales pour justifier ces entreprises. Par exemple, l'Occident a colonisé au nom de la civilisation pour apporter la civilisation universelle au peuple qu'il colonisait et qu'il conquérait. Donc, à la fois, ces principes universels ont été énoncés, ont été instrumentalisés, mais ils ont toujours été sous-jacents dans les actions et la pensée occidentale. C'est-à-dire que les Occidentaux, quelle qu'ait été la violation de ces principes, n'ont jamais renié le principe même de l'universalité des droits humains, qui est le socle de la modernité occidentale dont ils n'ont cessé de se réclamer jusqu'à une époque récente. Et même on peut dire, et c'est assez intéressant, que les moments de fragilité qu'a connu l'histoire de l'Occident se sont toujours accompagnés d'une réaffirmation des principes universels. Je vous en donnerai là aussi trois exemples historiques. Les Lumières du XVIIIe siècle, le traumatisme de l'expérience nazie et la décolonisation. Dans ces trois moments historiques, on peut voir des avancées de l'universalisation des droits humains. Au moment c'est-à-dire les moments où en fait l'Occident s'interroge sur sa légitimité à gouverner le monde. Et chaque fois que l'Occident s'est interrogé sur sa légitimité à gouverner le monde, eh bien, les principes universels ont connu des avancées. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il est évident que la philosophie des Lumières a contribué à l'abolition de la traite négrière d'abord, qui a été interdite par le Congrès de Vienne en 1815, puis petit à petit à l'abolition de l'esclavage, même si évidemment dans l'abolition de l'esclavage aux États-Unis comme dans les pays d'Amérique latine, elle a été due avant tout aux révoltes des esclaves eux-mêmes. Mais cette philosophie du Lumière a contribué incontestablement à l'abolition de la traite et de l'esclavage. De même, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on peut constater, comme je vous le disais tout à l'heure, un moment d'universalisation des droits pour plusieurs raisons. D'abord, les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et de la victoire sur le nazisme. En fait, les droits humains ont été réaffirmés avec d'autant plus de force qu'ils avaient été niés de la façon la plus spectaculaire par les régimes fascistes. Et donc, après la chute des régimes fascistes et essentiellement du nazisme, on a réaffirmé la primauté des droits humains, et le résultat de cette réaffirmation, c'est évidemment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui s'est voulue une refondation du monde après l'expérience fasciste en Europe, et qui est basée, évidemment, si on la lit, sur des principes universels valables en tout lieu et en tout temps. Et ça, c'est important. Alors, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu des interrogations philosophiques extrêmement importantes sur la modernité. Je pense à l'école de Francfort, je pense à des philosophes comme Adorno, comme Marcuse, je pense à une philosophe comme Hannah Arendt, qui se sont posé des questions sur la modernité, parce que la modernité avait connu des perversions, qui étaient les perversions, évidemment, les perversions totalitaires. Et donc, on s'est posé des questions là-dessus. Mais jamais le principe de l'existence d'un genre humain unique n'a été remis en cause par ces questionnements sur la modernité. Au contraire, les interrogations sur les perversions, sur les dérives de la modernité sont venues du fait que la colonisation puis le nazisme avaient nié cette existence d'une condition humaine unique. Deuxième raison de cette ouverture du monde à l'universel après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que, du fait des luttes décolonisées, petit à petit, le colonisé
a été reconnu comme un sujet doté de droits universels. Et on a reconnu de ce fait la légitimité des revendications des colonisés, bien sûr, à l'émancipation. Troisième point, je crois que l'internationalisation des expériences socialistes a été aussi une modalité de l'universel, qui a été l'universel prolétarien du communisme, mais le communisme est évidemment une modalité de l'universel, quels qu'aient été évidemment ses dévoiements concrets. Je ne parlerai pas des dévoiements du communisme, mais pendant plus d'un demi-siècle, le communisme a fonctionné comme une immense utopie universelle laïque. Donc, ça a fait partie évidemment de cet universalisme. Et même jusqu'aux années 1960, les nationalismes du Sud ont fonctionné comme des universaux, dans la mesure où la plupart des mouvements nationalistes de décolonisation ont fait appel au principe d'émancipation, et eux, les luttes de libération nationale se sont constituées autour du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et pas tellement autour du principe des spécificités culturelles. Les spécificités culturelles sont venues plus tard, même si évidemment beaucoup de mouvements de libération nationale se sont appuyés sur des argumentaires de type identitaire ou religieux, mais la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes était plus importante, disons, dans l'argumentaire général des mouvements de libération que les spécificités identitaires ou religieuses. Donc, très brièvement, et je m'en excuse, vous voyez comment, à la fois, dans une très longue période historique, on a, à chaque étape de l'évolution historique, on a réaffirmé les principes universels, même quand on les a violés, même quand on les a instrumentalisés. Et on assiste dans le monde contemporain, dans les années 1980, au tournant des années 80, eh bien, à un changement de paradigme mondial tout à fait crucial pour la compréhension de notre monde d'aujourd'hui. Et au moment même, justement, où les principes universels entamaient leur désoccidentalisation, c'est-à-dire s'universalité. Et vraiment, le monde est entré dans une nouvelle phase de son histoire à partir du début des années 1980. Pour plusieurs raisons, là encore, et j'en identifierai quatre qui me paraissent quatre raisons principales. Sur le plan économique, vous savez qu'on assiste à partir de cette période à la fin du capitalisme national et régulé de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses des années 1945-1975 et le passage à une nouvelle phase du capitalisme que l'on appelle le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme et qui est caractérisé par la suprématie de la rente sur la production, l'affaiblissement de la capacité régulatrice de l'État, la suprématie de la finance, du capitalisme financier sur le capitalisme productif et par la mondialisation des économies et l'abolition des frontières financières et marchandes. À partir des années 80, c'est un changement total de paradigme économique. Ce changement total de paradigme économique s'est produit dans un contexte là aussi tout à fait nouveau qu'est la révolution technologique et numérique. Cette révolution technologique et numérique a aboli toutes les frontières techniques susceptibles de compromettre les avancées de la mondialisation dont le capitalisme financier a tiré des profits énormes, vous le savez. Et peut-être que la mondialisation n'aurait pas pu avoir le caractère radical qu'elle connaît si elle n'avait pas été portée par ces innovations technologiques qui permettent la circulation en temps réel de toutes les informations et la mise en réseau du monde entier. Troisième point qui a favorisé ce tournant, c'est l'échec planétaire du socialisme réalisé, ce qu'on a appelé le socialisme concret, et l'effondrement du bloc soviétique, évidemment, qui a fait de cette nouvelle modalité du capitalisme la seule figure de la mondialisation contemporaine. Et vous vous souvenez, on en avait beaucoup parlé à l'époque, du fameux livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire. Donc, puisque
la société libérale, capitaliste libérale a gagné, eh bien, le monde va se convertir à cette société capitaliste libérale et donc on est à la fin de l'histoire. Bon, la réalité, évidemment, a montré qu'on était très loin d'être à la fin de l'histoire, j'y reviendrai dans un instant. Et, quatrième point, la faillite partielle, aussi, pour une série de causes externes et internes que je n'ai pas le temps d'aborder, déconstruction nationale post-coloniale. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays sortis de la colonisation, libérés de la colonisation, les promesses de la décolonisation n'ont pas été tenues. Il y a eu des faillites de type économique, pas partout, mais des faillites politiques, idéologiques, c'est-à-dire que dans beaucoup de ces pays, eh bien, l'émancipation, la libération du colonisateur s'est accompagnée de l'instauration de dictatures, évidemment, qui ne répondaient pas aux promesses de la décolonisation, en particulier dans le monde arabo-musulman, mais pas seulement, si on prend tout le continent africain, également l'Afrique au sud du Sahara, les promesses de la décolonisation n'ont pas été tenues. Et dans les pays arabo-musulmans et dans les pays musulmans plus largement, car le monde arabe et le monde musulman, c'est pas la même chose, ça, il faut toujours le répéter, mais cette faillite des idéologies nationalistes plutôt séculières, plutôt socialisantes parfois également, cette faillite a laissé le champ libre à de nouvelles offres idéologiques. Et la principale offre idéologique qui s'est développée sur cette faillite des nationalismes séculiers, c'est l'islam politique, et qui a été portée par des nouveaux acteurs sociaux, par des nouveaux acteurs politiques, par des nouveaux acteurs idéologiques. Parce que ce que l'on peut conclure de ce constat, c'est que la faillite de l'utopie communiste, qui a été cette grande utopie universelle laïque dont je vous parlais tout à l'heure, a fait réapparaître une nouvelle figure du politique qui avait été considérablement affaiblie à partir du 19e siècle, c'est la figure politique du religieux. Et cette faillite de l'universel laïque a fait réapparaître la figure politique du religieux, dont vous savez à quel point aujourd'hui cette figure politique du religieux est importante dans le monde actuel. Et donc vous voyez que dans ce tournant des années 1980, on assiste à un changement complet de paradigme, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique et idéologique. Et ce changement de paradigme s'est accompagné ou a suscité un retour en force dans notre monde d'aujourd'hui des idéologies à base identitaire ou religieuse. Le religieux étant une des modalités de la réaction identitaire. Pourquoi ? Et c'est une question qu'il convient de se poser. Non pas, à mon avis, parce que cette résurgence des idéologies ou cette construction des idéologies à base identitaire et religieuse n'est pas une conséquence directe de la mondialisation. Mais cette mondialisation contemporaine s'est accompagnée d'un recul absolument spectaculaire des universaux de la modernité. En matière politique, en matière idéologique, en matière sociale. Et c'est la raison pour laquelle je dis, et c'est mon troisième point, que la mondialisation est une modalité de la post-modernité. C'est une modalité de la post-modernité, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pendant des siècles, je vous le disais tout à l'heure, les entreprises de domination occidentale se sont toujours accompagnées d'une instrumentalisation des principes universels. D'une certaine façon, si je voulais employer un paradoxe absolu, on piétinait l'universel au nom de l'universel lui-même. Et le grand changement qui a lieu sous nos yeux, c'est que ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que les progrès de la mondialisation partout vont de pair avec
le recul des universaux. C'est pourquoi on peut dire que la mondialisation est une figure de la postmodernité, et là encore, je vais essayer de vous en donner quelques illustrations. Quelle est la figure économique de la mondialisation? Même si la justice sociale, bien évidemment, n'a jamais existé dans la réalité, la justice sociale qui n'a jamais existé dans la réalité a disparu même des discours aujourd'hui, car la justice sociale, une exigence de justice sociale fait partie des universaux, bien évidemment. D'ailleurs, elle est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, etc. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun discours de justice sociale dans les discours dominants. Ce ne sont que les discours de la contestation qui sont des discours de justice sociale. Dans les années 1950 à 1970, dans les vieux pays industriels, il y avait un relatif équilibre entre le capital et le travail. La relation capital-travail était relativement équilibrée. Et depuis les années 1980, on a une rupture totale de cet équilibre entre le capital et le travail, et la relation capital-travail s'est inversée au profit du capital depuis les années 1980. Mais ce qui est intéressant, si je puis dire, à part le renversement lui-même de l'équilibre et à part la suprématie absolue aujourd'hui du capital sur le travail, c'est que ce renversement est politiquement assumé par tous les entrepreneurs politiques du monde occidental, et d'ailleurs, évidemment. C'est-à-dire que le discours dominant, c'est qu'on ne peut pas rééquilibrer la relation capital-travail en faveur du travail, parce que ce serait un empêchement à la mondialisation et un empêchement à la concurrence sur le marché mondial de la main-d'œuvre. Voilà le discours dominant. Donc, sur le plan économique, l'universel de la justice sociale est totalement abandonné, même dans le discours. Sur le plan politique, bien sûr, vous avez encore de nombreux dirigeants occidentaux qui brandissent les droits humains pour défendre certaines actions. Mais cela ressemble davantage à un vieux réflexe que à une rhétorique construite aujourd'hui. Au contraire, quand certains acteurs politiques du monde occidental se réclament réellement des droits humains et les mettent en œuvre, et ils sont contestés en général par l'ensemble de leurs collègues. Au nom des intérês, au nom de la sécurité, je vais vous en donner un exemple. Quand Angela Merkel, en 2015, a ouvert les frontières de l'Allemagne et a accueilli à peu près 1 million de réfugiés syriens qui fuyaient la guerre et le chaos dans leur pays, Angela Merkel a été critiquée par l'ensemble des dirigeants du monde occidental. Tout le monde a dit « elle est folle ». Elle est folle. Bon, c'est une catastrophe ce qu'a fait Angela Merkel. Et au nom donc de la sécurité, au nom des intérêts, disons que la critique d'Angela Merkel a eu deux facettes. Elle a eu de la part des démocrates, en disant « oui, quand même, d'accord, c'est très bien, il y a la guerre en Syrie, ils sont très malheureux, mais on a des intérêts, on a des impératifs de sécurité, donc il ne faut pas les accueillir ». Quant aux néofascistes des anciens pays socialistes, c'était au nom de l'identité européenne, il ne fallait pas accueillir ces étrangers, puisque non seulement il ne fallait pas les accueillir, mais ça allait même beaucoup plus loin. Un dirigeant comme Viktor Orban a dit « moi, je veux bien accueillir des Syriens, mais uniquement des chrétiens. Je ne veux pas accueillir des musulmans, par exemple. » En fait, on assiste en Europe aujourd'hui à la disparition du droit d'asile complète, qui, je vous le rappelle, le droit d'asile est issu des conventions de Genève de 1945 et avait été accepté par l'ensemble de ce qu'on appelait la communauté internationale. Donc voilà, sur le plan politique, un autre exemple de cet abandon des universaux. C'est-à-dire que les gens différents, n'ont pas le droit à l'asile. Et j'en viens avec ce terme de différents
à quelque chose d'extrêmement préoccupant dans le monde occidental d'aujourd'hui, qui est le triomphe du différentialisme culturel. Et ce triomphe du différentialisme culturel, ce triomphe du relativisme culturel, est à l'inverse du paradigme principal des universaux de la modernité, qui était l'unité du genre humain. Quand je parle d'unité du genre humain, cela ne veut pas dire que tous les humains sont pareils. Bien entendu, il y a des différences culturelles, il y a des différences, des tas de différences entre nous autres humains. Mais il y a quelque chose qui fait que, au-delà de leurs différences, tous les humains relèvent d'une seule catégorie qui est le genre humain. Et au XIXe siècle, la catégorie du genre humain avait été portée par beaucoup de philosophes, etc. Donc, la diversité de nos conditions, la diversité de nos cultures, n'occultait pas l'unité du genre humain et l'unité de ses droits. Tandis qu'aujourd'hui, la diversité des cultures qui est accentuée dans les discours dominants occulte cette unité du genre humain. C'est ce que l'on appelle le différentialisme culturel. Et ce différentialisme culturel sert souvent d'alibi à la primauté absolue des intérêts sur tout le reste. Là encore, on peut donner beaucoup d'exemples à cela. Par exemple, les alliances occidentales avec les régimes les plus oppressifs de la planète. Bien sûr, il y a toujours eu des intérêts, et les intérêts ont toujours primé sur les principes, mais on faisait un peu attention aux principes. Aujourd'hui, quand les pays qui se disent démocratiques ont pour alliés emblématiques les monarchies du Golfe arabo-persique, par exemple, l'Arabie Saoudite ou les Émirats. Je vous en donne un exemple qui date de la semaine dernière. La semaine dernière, à l'ONU, Nations Unies, l'Arabie Saoudite a été élue membre de la Commission de défense des droits des femmes avec la voix de 5 pays de l'Union européenne. Donc, l'Arabie Saoudite est aujourd'hui membre de la Commission de défense des droits des femmes des Nations Unies. Je vous donne comme ça un exemple concret. Voilà. Si ça n'était pas tragique, ce serait amusant. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus l'alibi des principes ou quand un certain nombre de dirigeants des pays occidentaux s'allie à Vladimir Poutine. Je vous en donnerai un exemple. Dans les élections françaises qui ont lieu en ce moment, je ne parle pas de Marine Le Pen. Laissons-la de côté, qui est, comme tous les mouvements néofascistes en Europe, sont alliés à Poutine aujourd'hui. Mais le représentant emblématique de la droite classique, comme François Fillon, ou le représentant emblématique d'une gauche contestataire, comme Jean-Luc Mélenchon, sont des partisans affirmé de Vladimir Poutine, le dirigeant russe actuel. Donc, vous voyez comment aujourd'hui, à la faveur du différentialisme culturel, on peut s'asseoir sur les principes. Et dès lors que la différence l'emporte sur le commun, dès lors que la différence a la primauté sur le commun, eh bien, tout le monde est renvoyé à sa différence. Et on a aujourd'hui, si je prends l'exemple du monde arabo-musulman, c'est tout à fait clair, chacun est assigné à son identité supposée. Aujourd'hui, on ne parle plus des Arabes en Europe, on parle des musulmans. C'est-à-dire que chacun est assigné, non pas seulement à une identité nationale supposée, mais une identité religieuse. Et l'identité religieuse ou la supposée identité religieuse prime sur tout le reste. Chaque fois qu'on va parler d'un pays arabe, on va dire « Ah, l'islam, hein, les musulmans, par exemple. » Alors que
monde arabe, entre autres, est un monde, comme tous les autres mondes, très diversifié, où la religion est un élément extrêmement important, mais il n'est pas le seul. Donc vous avez une assignation à la différence, et donc dans ce cadre-là, il est tout à fait logique que les régimes occidentaux s'allient avec les régimes issus de l'islam politique, puisque c'est la conséquence de cette assignation à la différence. Et donc, ces principes universels sont emportés par ce que j'appellerais cette tourmente différentialiste. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette tourmente différentialiste touche toutes les catégories intellectuelles occidentales. Hormis des minorités, par exemple, il y a tout un argumentaire de gauche en Occident qui récuse l'universalité au nom de la différence. Chacun a droit à sa différence. Chacun a droit à sa différence. Et le fait qu'une partie des gauches occidentales, à mon sens, soutient l'islam politique, résulte de cette assignation à la différence. Au fond, ils sont musulmans, donc il est normal qu'ils soient gouvernés par des islamistes. Et ce qui m'apparaît toujours extrêmement intéressant dans ce passage de l'universalisme au différentialisme, c'est la question du voile. La question du voile qui est une question assez compliquée. Après les indépendances, dans les pays arabes, sauf évidemment je ne parle pas de la péninsule arabique, je ne parle pas de l'Arabie saoudite, mais si je prends le Maghreb, si je prends des pays comme l'Irak, comme la Syrie, les femmes se sont dévoilées massivement. Il y a eu un mouvement d'abandon du voile extrêmement important et tous les mouvements féministes du monde arabe ont récusé le voile comme un signe de l'oppression des femmes. Et les mouvements féministes depuis les années 1920, si je pense au mouvement féministe égyptien à partir de Hoda Shahraoui, du mouvement féministe tunisien dans les années 1930, donc la récusation du voile a toujours été un marqueur du féminisme dans le monde arabe. Puis vous savez que pour une série de raisons, le voile est revenu. Je vous parlais de ce retour du religieux tout à l'heure, de ce retour d'idéologie à base religieuse qui a fait revenir le voile. Mais quand on écoute beaucoup de gens en Europe et aux États-Unis, eh bien, le port du voile aujourd'hui il n'est pas vu comme un signe d'oppression, de l'oppression qu'elles subissent, mais comme une manifestation de leur liberté. C'est-à-dire, elles sont libres de porter le voile. Donc, le voile est passé du statut de manifestation d'une oppression au statut de manifestation d'une liberté. Et dans ce changement de paradigme, je vois toute la contradiction, tous les paradoxes du différentialisme culturel. D'ailleurs, quand on parle en Occident du voile comme une manifestation de liberté, on ne voit pas toutes les luttes qui se mènent dans les pays arabes eux-mêmes pour l'émancipation des femmes. Mais le monde, aujourd'hui, a un nouvel ennemi. Cet ennemi s'appelle le terrorisme. C'est un ennemi emblématique aujourd'hui. Je ne vais pas parler, car je n'en ai pas le temps, de ses causes, de la construction de ses acteurs. Et je pense que les causes et les acteurs du terrorisme, c'est à la fois des causes internes aux pays arabo-musulmans et des causes externes. Il y a les deux, et on ne peut pas privilégier l'interne par rapport à l'externe ou l'inverse. Ces causes externes, je n'en ferai pas la liste aujourd'hui, on peut simplement rappeler que le djihadisme contemporain est né en Afghanistan au moment de l'invasion soviétique et que les États-Unis, à l'époque, on était en pleine guerre froide, ont favorisé les mouvements les plus fondamentalistes avec un argumentaire tout à fait rationnel d'ailleurs. Plus ils sont fondamentalistes, plus ils sont anticommunistes, plus ils sont antisoviétiques, donc c'est eux qu'on doit soutenir. Bon. Et tout
le djihadisme contemporain est né de cette matrice, afghane. Bon, on a fait un peu la même chose, les États-Unis ont fait un peu la même chose après leur invasion d'Irak en 2003 en soutenant les mouvements fondamentalisme chiite au prétexte que Saddam Hussein était sunnite. Donc il y a des tas de causes sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais ce qui est intéressant de voir dans cette lutte contre le terrorisme actuel, c'est qu'on ne combat pas le terrorisme au nom des principes. Non pas, on ne combat pas le terrorisme aujourd'hui au nom de la liberté. On ne le combat pas au nom de principes, on le combat parce qu'il est dangereux. Bon, c'est vrai d'ailleurs qu'il est dangereux, je ne dirais pas le contraire, mais on le combat parce qu'il est dangereux. Et au contraire, il y a tout un argumentaire qui tente de déconnecter le djihadisme de ses matrices idéologiques aujourd'hui. Le djihadisme, ce serait cela, ce serait le désespoir de la jeunesse, ce serait une islamisation de la radicalité, ce serait... Mais on ne fait pas le lien, et pourquoi on ne fait pas le lien entre le djihadisme et sa matrice idéologique religieuse? Parce que si on faisait le lien entre le djihadisme actuel et sa matrice idéologique et religieuse, ses matrices idéologiques religieuses, eh bien, on serait obligé de se séparer d'un certain nombre d'alliés absolument indispensables. On sait très bien que l'Arabie saoudite, par exemple, a été, depuis 30 ans, un financier central du djihadisme. Donc ça pose un problème. Alors aujourd'hui, bien entendu, les circuits sont plus tout à fait les mêmes. L'Arabie saoudite elle-même est menacée par le djihadisme parce qu'il y a des querelles à l'intérieur, évidemment, des mouvements fondamentalistes. Mais on combat la dangerosité du djihadisme contemporain, mais on ne combat pas sa matrice idéologique et on ne le combat pas au nom de la liberté et au nom des principes. C'est d'ailleurs la même chose, je pourrais prendre un autre exemple, pour les discours identitaires néofascistes en Europe, en réalité. On combat les mouvements d'extrême droite, certes, mais au nom de quoi? Puisqu'on combat les mouvements d'extrême droite en reprenant une partie de leur rhétorique. Une partie de leur rhétorique sur l'islam, une partie de leur rhétorique sur l'immigration. Donc, là aussi, on ne combat plus au nom des principes. On combat au nom d'une dangerosité. C'est-à-dire pour sauvegarder des intérêts. Et le problème de tout cela, c'est que dans cette nouvelle configuration, le discours occidental est aujourd'hui dépourvu de sens. Pendant très longtemps, le discours occidental a eu du sens, même si les pratiques occidentales dévoyaient le discours, comme je le disais tout à l'heure. Mais il était porteur de sens. Aujourd'hui, il est à la fois dépourvu de sens et débarrassé de ses anciennes contradictions, puisque il convient de sauvegarder des intérêts au moment où l'émergence de nouvelles puissances contraint à partager les bénéfices de la mondialisation pour ceux qui touchent des bénéfices, et donc il n'y a plus il n'y a plus que les intérêts. Et voilà pourquoi, et ça sera ma conclusion, on peut dire que le mondial va contre l'universel. Dans les discours, très couramment, on assimile la mondialisation à une nouvelle modalité de l'universalisme. Le problème, comme je vous le disais en introduction, c'est qu'elle est en tout point antinomique. D'abord, on peut constater que la mondialisation contemporaine s'accommode parfaitement de tous les replis identitaires. La mondialisation n'est pas gênée par les replis identitaires qui ne lui nuisent en rien. Et elle cohabite parfaitement, la mondialisation aujourd'hui, avec toutes les nouvelles hégémonies religieuses dans le monde. Aujourd'hui, les centres principaux de la finance islamique sont Wall Street et la City de Londres. Et chaque banque occidentale
les grandes banques occidentales ont ce qu'on appelle un sharia board pour créer des produits financiers islamiques, c'est-à-dire pour capter une partie de l'argent du Golfe. Donc toutes les grandes banques occidentales ont un département de finance islamique. Je vous donne cet exemple-là, je pourrais vous en donner d'autres. Bien entendu, je vous parlais tout à l'heure des alliances avec les pays gouvernés par l'islam politique, mais parce que l'islam politique est sociétalement réactionnaire, sa matrice idéologique est identitaire, mais sur le plan économique, l'islam politique est ultra-libéral. Les partis islamistes sont des partis parfaitement libéraux sur le plan économique. Donc, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la mondialisation libérale et l'islam politique aujourd'hui, puisque leurs paradigmes économiques sont tout à fait compatibles. Donc, la mondialisation s'accommode des replis identitaires. Maintenant, il est vrai que les excès de la mondialisation ont provoqué l'attrait d'une partie des populations du monde arabo-musulman vers l'islam politique et l'attrait des classes moyennes et des prolétariats, des vieux pays industriels qui sont les perdants de la mondialisation, ces classes moyennes précarisées, ces segments inférieurs des classes moyennes et ces vieux prolétariats de l'époque de la révolution industrielle qui sont les perdants de la mondialisation, là aussi, ils sont portés vers des rhétoriques de défense identitaire. Vous le savez, ce sont toutes les rhétoriques identitaires des partis comme UKIP en Grande-Bretagne, comme le Trumpisme aux États-Unis, comme Marine Le Pen en France, comme un certain nombre de rhétoriques aujourd'hui que l'on voit un peu partout. Et il faut se poser la question du pourquoi l'attrait de ces rhétoriques identitaires. Parce que ces classes moyennes prolétarisées, ces prolétariats de la vieille industrie européenne ou américaine avaient gagné à la colonisation, avaient, disons, touché des bénéfices collatéraux de l'époque coloniale. Et aujourd'hui, ils perdent dans cette mondialisation parce que cette mondialisation s'accompagne d'un décentrement de l'Occident. L'Occident, petit à petit, il a une importance encore considérable, mais petit à petit n'est plus tout à fait le centre du monde. Et dans cette perte de la centralité occidentale, eh bien, les populations précarisées du monde occidental perdent à cette perte de la centralité. Puisque, disons que la suprématie occidentale, depuis 5 siècles, a reposé sur cette centralité de l'Occident, bien sûr. Et aujourd'hui, la concurrence des nouvelles puissances, dans une économie mondiale totalement ouverte, au bien, au service, à la finance, pas aux humains, tout de même. Elle est fermée aux humains, cette mondialisation. Et vue comme, cette ouverture, cette mondialisation, est vue comme une cause de la persistance ou de l'accroissement du chômage, et donc, c'est une raison d'être hostile à l'ouverture. Et ces peurs, aujourd'hui, se traduisent par un refus de la mondialisation libérale par l'ensemble des classes populaires et des petites bourgeoisies, je vous le disais, précarisées occidentaux, sur ce terreau fleurissent les mouvements d'extrême droite qui se sont développés depuis 30 ans et la crise économique de 2008-2009, qui est une conséquence directe de la dérégulation des marchés et du triomphe de la sphère financière sur la sphère productive, a aggravé la méfiance vis-à-vis de cette planète dérégulée par les effets du libéralisme globalisé. Mais ce qu'il est intéressant, là encore, de voir, c'est que cette réaction à la mondialisation est une réaction de type identitaire qui récuse les principes de l'universalisme. Alors, la question qu'on peut se poser finalement, c'est ces principes, est-ce qu'ils sont définitivement obsolètes? Est-ce qu'ils sont définitivement à jeter
aux poubelles de l'histoire, ou est-ce qu'ils sont en train de renaître, de se reconfigurer ailleurs et autrement? C'est une question qui m'apparaît légitime dans la mesure où un monde sans universaux serait un monde très mal en point. Paradoxalement, c'est dans les pays des Suds, je n'aime pas dire le Sud, parce que les Suds sont tellement divers que je préfère parler des Suds, c'est dans les pays des Suds qui sont confrontés à des nouveaux types de tyrannie, à de nouveaux types de tyrannie identitaire, de tyrannie du spécifique. Je vous parlais de l'islam politique, du fondamentalisme, il y en a d'autres. Et c'est là que les principes universels sont appropriés par une partie des populations pour être transformés en un outil d'émancipation. Et ce qui est très intéressant dans le monde actuel, c'est que la querelle autour de l'universalisme n'est pas une querelle entre les vieux pays démocratiques d'Occident qui sont des pays porteurs de l'universalisme et les tyrannies identitaires du Sud qui sont porteurs de ces idéologies identitaires et spécifiques. C'est que le débat aujourd'hui a lieu à l'intérieur des sociétés du Sud. À l'intérieur des sociétés du Sud, vous avez des projets de sociétés différents, les uns identitaires, les autres universels, et vous avez des reconfigurations du politique dans ces sociétés du Sud autour du débat sur les principes de l'universalité qui, pour un certain nombre pour une partie des opinions, pour une partie des sociétés civiles, sont des outils d'émancipation. Et l'on peut se demander, en conclusion, si l'Occident, qui a déserté ses principes, qui semble migrer ailleurs, si cette désertion des principes de l'universel n'est pas le signe, justement, du décentrement de l'Occident par rapport au monde, par rapport à un monde recomposé dont il n'a plus la totale maîtrise. L'universel a été à un moment un signe de l'hégémonie occidentale et un instrument de sa puissance. L'universel aujourd'hui est davantage un nouvel instrument de la construction du sujet dans les pays du Sud. Et je crois que c'est peut-être aussi paradoxal que cela puisse paraître dans les pays du Sud du monde que l'universel peut aujourd'hui se reconstruire. Voilà, je n'ai pas été trop longue, j'espère. J'ai tenu mon temps. Merci Sophie pour cette complexe exposition historique tellement riche, plein de contradictions dialectiques, avec tellement de registres et de niveaux, de liens, en même temps de contradictions, et très illuminatrice. Et c'est tellement complexe que j'ai tellement de questions. Ça pose votre exposition, ça pose tellement de questions sur le capitalisme même, si ce n'est pas le capitalisme la cause de cette dissolution même du sens et aussi de la détériorisation. Et je crois, si nous prenons cette histoire européenne du monde qui, dont l'origine était dans cette conquête de l'Amérique comme un commencement du capitalisme, l'enrichissement à travers les autres, les colonies de l'Europe. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que je vois aussi, c'est toute une histoire du capitalisme qui s'est développée d'une façon expansive. On pourrait dire qu'on est dans l'hypercapitalisme. Je pense que c'est aussi la cause des dissolutions de l'idée des territoires, de l'idée des territoires économiques,
aussi avec les technologies qui ont produit cette détérioration physique du sang et l'idée physique et l'idée des nations et qu'on assiste, on voit maintenant ce nouveau changement dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez sur le capitalisme, je voudrais dire. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup d'auteurs. Je parlais tout à l'heure de l'école de Francfort, qui ont pensé que la modernité était tellement liée, effectivement, au capitalisme. C'est-à-dire que la modernité a été essentiellement une modernité instrumentale, qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout de cette modernité instrumentale. C'est une question, à mon avis, très compliquée. Depuis que les sociétés existent, le marché existe. Bon, on a toujours échangé. Donc, alors, est-ce que le marché, il est impossible de détruire le marché. Vous savez que les pays socialistes, l'Union soviétique, a essayé de détruire le marché avec les catastrophes qui s'en sont suivies. Donc, on n'est pas obligé de prendre cette... en revanche, peut-être faut-il dissocier la question du marché de celle du capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme n'ayant, et sa modalité actuelle, comme exclusif objectif, son expansion planétaire et la notion du profit. Est-ce que les sociétés humaines peuvent être mues exclusivement par la question, par la notion du profit ? Je me souviens d'une phrase du dirigeant socialiste français Lionel Jospin, quand il était Premier ministre il y a une quinzaine d'années à peu près, était en plein processus de mondialisation, qui disait oui à une économie de marché, non à une société de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où toute activité humaine doit rapporter de l'argent, où toute activité humaine est objet de marchandisation, y compris le corps humain, y compris les gènes, y compris, vous connaissez tous les progrès scientifiques sur la question de la génétique, etc., mais ce sont des progrès qui sont immédiatement captés par la sphère marchande. On est incapable aujourd'hui de penser en dehors de la sphère marchande. On peut là aussi en donner plusieurs exemples. Je prends la question du réchauffement climatique. Par exemple, la question du réchauffement climatique, on a dit c'est très dangereux. Et qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'arrêter, de ralentir le réchauffement climatique dans le cadre du marché? On a créé ce qu'on a appelé des crédits carbone. C'est-à-dire qu'on mesure le carbone en argent et on voit combien ça peut rapporter ou combien ça peut faire perdre à l'humanité. On est incapable aujourd'hui, absolument incapable, de raisonner en dehors de la quantification marchande. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est inhérent au capitalisme ou est-ce que c'est une perversion du capitalisme ? Évidemment, c'est une question tellement importante que je ne vais pas y répondre comme ça. Mais la vraie question, je pense, aujourd'hui, est donc, à partir du moment où il est impossible de raisonner en dehors de la sphère marchande, où il est impossible d'imaginer une activité humaine en dehors de la sphère marchande, que ce soit l'enseignement, que ce soit la recherche, tout ce que vous voudrez, alors évidemment, tout peut advenir. La mondialisation peut s'accommoder d'absolument tout. Si un régime qui viole les droits humains a une logique marchande qui correspond à la logique de la mondialisation, il n'y a aucune raison pour ne pas l'accepter, puisqu'il n'y a qu'un seul paramètre et un seul paradigme. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de... se débarrasser de cette théologie, puisque moi je pense qu'il s'agit d'une théologie. Vous avez des théologies religieuses, hein, on les connaît, et quel est le propre d'une théologie religieuse? C'est que c'est un absolu. La révélation est un absolu, la parole de Dieu est absolument indiscutable, puisqu'il l'a révélée aux humains, que ce soit dans les trois monothéismes, cette parole divine est absolument indiscutable puisqu'elle a été révélée. On ne discute pas la parole de Dieu. Mais prenez le discours libéral aujourd'hui. On ne discute pas
le dogme économique, comme si le dogme économique était divin. Et le dogme économique repose sur deux paramètres. Un, la capacité infinie du marché à s'autoréguler. Le marché ne doit pas avoir d'intervenant extérieur, il a une capacité infinie à l'autorégulation. Deux, ça c'est un rêve d'économiste, hein, la capacité infinie à l'autorégulation. Deuxième rêve d'économiste, le monde doit vivre dans une concurrence parfaite. Bon. Et ces deux postulats de la science économique libérale sont donnés comme deux postulats absolument indiscutables. Et c'est pourquoi aujourd'hui on peut parler d'une théologie libérale, puisqu'on ne peut pas discuter de ces postulats. Donc à partir du moment où on ne peut pas discuter de quelque chose, on passe dans le domaine de la théologie. Et c'est pourquoi, dans mon dernier livre, qui n'est pas traduit en espagnol, mais où j'essaye de mettre en parallèle ces deux fondamentalismes, le fondamentalisme religieux et le fondamentalisme marchand, ou, enfin, de la conception contemporaine de l'économie dominante. Voilà. Et pensez-vous que les terrorismes sont une confrontation parmi les fondamentalismes, cette théologie, disons, économique, ce sont des explosions? Non, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué que cela, je pense. Je vous le disais tout à l'heure, ça a des causes à la fois interne et externe. Il est évident que les ères de civilisation passent par des phases. Ce que je dis est une banalité. Et que toutes les ères de civilisation ont connu des phases particulièrement fermées sur elles-mêmes, des phases où la religion dominante a connu des expressions paroxystiques. On sait à quel point l'Europe chrétienne a pu connaître l'Inquisition, les guerres de religion, etc. C'était une phase de son histoire qu'elle a dépassée, heureusement. Aujourd'hui, je pense que le monde musulman connaît une des phases les plus problématiques de son histoire, incontestablement, des plus graves, une phase régressive, même s'il y a des noyaux extrêmement intéressants dans cette partie du monde de combat pour l'émancipation. Mais on est aujourd'hui dans une hégémonie de la lecture la plus fondamentaliste du dogme musulman, du dogme islamique, disons des textes sacrés. Et que cette lecture paroxystique, je pourrais dire, des textes, cette lecture très orientée, les textes, se déploient dans le contexte d'un modernisme, je ne dirais pas d'une modernité technologique, comme je vous le disais, numérique. Ce qui fait que les idéologies les plus régressives de la planète aujourd'hui utilisent tous les outils de l'ultra-modernisme pour... que ce soit au niveau de l'armement, que ce soit au niveau du numérique, si vous prenez les sites de l'État islamique aujourd'hui, les sites de propagande, ce sont les sites internet les mieux faits que vous puissiez imaginer. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est un effet de la mondialisation, mais ce qui donne sa caractéristique tout à fait particulière au djihadisme aujourd'hui, c'est que c'est une des modalités de la mondialisation. Vous savez, si on prend la religion musulmane, pour prendre celle-là, il y a toujours eu des particularités entre l'islam maghrébin, l'islam du Moyen-Orient, le chiisme, le sunnisme, le kharijisme, de la même façon que vous avez pu avoir dans le monde où la religion dominante était la chrétienté, les protestants suédois et les catholiques siciliens n'avaient pas tout à fait les mêmes pratiques, on va dire. Aujourd'hui, ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'on assiste à une mondialisation du discours religieux.
une mondialisation du discours religieux, c'est-à-dire que toutes les différences, si je prends le monde musulman, et après j'irai au-delà, toutes les différences régionales sont abolies. C'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement un islam maghrébin, un islam... Mais vous avez un seul discours, qui est le discours fondamentaliste, qui devient un discours hégémonique. Et la lutte entre les chiites et les sunnites, dont on nous rebat les oreilles, n'est pas une lutte religieuse. C'est une lutte politique, c'est-à-dire que c'est une lutte entre deux puissances fondamentalistes rivales, qui est l'Iran et l'Arabie saoudite, mais il n'y a pas de contentieux religieux fondamental aujourd'hui entre le chiisme et le sunnisme. Il y a eu des contentieux religieux dans l'histoire, bien évidemment, mais il n'y a pas plus de contentieux religieux. Et je vais même au-delà de cette mondialisation du religieux. De plus en plus, les fondamentalismes du monde chrétien, comme les églises évangélistes, les églises pentecôtistes, empruntent au fondamentalisme musulman, et le fondamentalisme musulman emprunte aux évangélismes. C'est-à-dire que vous avez une espèce de mondialisation fondamentaliste, et c'est là que je dirais qu'il y a une modalité de la religion qui est aujourd'hui une religion mondialisée. Alors elle peut prendre les couleurs de l'islam, elle peut prendre les couleurs de l'évangélisme, elle peut prendre, mais vous avez une espèce d'unité fondamentaliste. Et bon, le djihadisme, c'est autre chose. Le djihadisme est une modalité tout à fait particulière du fondamentalisme musulman. Mais je pense que s'il perdure aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'État islamique, c'est que tout le monde, à un moment donné, pour des raisons particulières, a contribué à la création de l'État islamique. Mais ça, c'est un autre sujet. Vamos a disfrutar de la presencia de Sophie Bessis aquí con nosotros y abriendo cuestiones. Vous parlez un peu plus fort parce que l'acoustique n'est pas géniale. Alors vous avez un micro. C'est pas tellement une question parce qu'il y en aurait tellement, c'est tellement riche. J'ai même regretté de pas l'avoir enregistré pour pouvoir l'écouter de nouveau chez moi. Enfin bon, comme ça. Mais moi seulement, c'est dur, mais la situation générale. Heureusement quand même que vous avez eu comme un moment de optimisme vers la fin. Je me suis dit ouf. Mais alors, quand vous parlez donc d'une naissance d'expérience universelle ou universaliste dans les pays du Sud, vous parlez surtout de qui ? Donc des pays africains ? Ou dans quel pays on peut... Je vais d'abord vous donner un exemple un peu auto-centré. Dans mon pays, qui est la Tunisie. La Tunisie a connu une révolution en 2011. Cette révolution, elle était... ni religieuse, ni anti-religieuse, elle était a-religieuse. Bon. Les revendications des gens qui sont descendus dans la rue pour abattre la dictature, Place Tahrir au Caire, c'était la même chose d'ailleurs, ça a été liberté, justice, dignité. C'était les trois mots-clés de la révolution. On ne peut pas plus universel. Bon. Dieu n'était pas là. Mais quand même, Dieu n'était pas loin. Ce qui fait qu'aux premières élections démocratiques en Tunisie, le parti islamiste a gagné les élections. Il a gagné les élections, une majorité relative, pas avec une majorité absolue. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu en Tunisie deux projets de société qui se sont confrontés. Le projet de société de l'islam politique, du parti Ennahda, qui est le projet de société de l'islam politique, et un projet de société... libéral au sens politique du terme, pas au sens économique du terme, et un projet de société fondé sur les principes universels, sur la liberté, sur l'égalité des sexes, sur la démocratie, etc. Et ce débat qui a été très vif pendant trois ans, la Tunisie a eu la chance de ne pas tomber dans le chaos, pour des raisons particulières, comme ses voisins, comme la Libye, puis comme d'autres pays du Moyen-Orient,
ont donné lieu à la promulgation d'une constitution de compromis. Et aujourd'hui, la Tunisie est un pays qui est en transition démocratique, où vous avez des forces antagoniques qui se font face, qui sont des adversaires politiques, qui ne se font pas la guerre, mais qui se font face. Et la partie, pour les démocrates tunisiens, n'est pas perdue. Il y a un vrai débat, il y a de vraies discussions, de vrais débats sur les choix de société. Au Maroc, c'est moins évident, mais ça existe aussi. Le débat sur l'égalité des sexes au Maroc est très vif aujourd'hui, avec des modalités tout à fait concrètes. Par exemple, il y a un débat sur l'égalité devant l'héritage entre les hommes et les femmes. Si je prends l'exemple de la Syrie, qui est un pays martyr aujourd'hui, avec 500 000 de morts en 6 ans. Au départ, en Syrie, le soulèvement a été un soulèvement qui ressemblait au soulèvement tunisien, qui ressemblait au soulèvement égyptien, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui en avaient marre de la dictature de la dynastie Assad et qui sont descendus dans la rue pour demander la démocratie, la justice, la dignité. Bon, ils ont été confrontés à un régime d'une brutalité, d'une sauvagerie tout à fait remarquable. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? C'est que très vite, le régime a eu des alliés extrêmement solides, la Russie et l'Iran essentiellement, qui ont tout fait pour sauver ce régime. Les mouvements fondamentalistes ont eu d'autres alliés extrêmement importants, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, et les démocrates syriens n'ont eu aucun allié. Aucun. Ils se sont retrouvés coincés. Et les pays occidentaux ont dit oui, ça serait bien qu'il y ait la démocratie en Syrie, mais enfin bon, ils n'allaient pas s'encombrer d'une aide réelle aux démocrates syriens. Et les démocrates syriens ont été coincés entre le régime d'un côté, les fondamentalistes de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils sont totalement broyés aujourd'hui, les démocrates syriens. Mais il y a encore aujourd'hui une partie de l'opinion syrienne qui aspire à sortir à la fois la Syrie et de la dictature d'Assad et des mouvements fondamentalistes, le mot d'ordre étant ni Assad ni Daesh. Donc, et vous en avez, je peux aller ailleurs dans le monde. Vous avez des mouvements démocratiques en Chine, vous en avez, mais dans le monde arabo-musulman, qui est un monde qui est aujourd'hui, qui concentre les paroxysmes de notre monde d'une certaine façon, vous avez des débats là où il peut y en avoir. Même en Arabie Saoudite, qui Dieu sait est probablement le pays le plus obscurantiste de la planète, ou un des, avec le Pakistan, vous avez des mouvements de femmes extrêmement importants en Arabie Saoudite qui se battent au quotidien et qui grattent des petits droits, comme ça, bon, qui sont réprimés, bien sûr, qui essayent. Donc, ces batailles, et parfois ces batailles minuscules, souvent, entretiennent le fait que je ne suis pas d'un pessimisme total. Voilà. Ce que je peux dire. Enfin, c'est mon analyse, disons, de l'état du monde. Cette destruction de l'universalisme par la mondialisation. On voit maintenant avec beaucoup de... vraiment étonné comment les mouvements d'extrême droite gagnent les élections dans quelques pays du monde, comme en Amérique. Ce sont des partis protectionnistes, hautement nationalistes, xénophobes,
Et aussi, ces dangers en Allemagne, l'Allemagne, l'Hollande, l'Hongrie, bien sûr, l'Autriche, et maintenant la France. Et jusqu'à quel point pensez-vous que c'est la guerre de Syrie, de la Syrie, a produit ce déplacement des immigrants, des gens exiliés, qui a produit cette xénophobie en Europe, parce qu'on a la peur d'une une invasion, une occupation d'une Europe qui était toujours qui avait toujours les principes de l'hégémonie, et dans les autres parties du monde, pays du monde, qui a exploité mais qui n'était jamais occupé, disons. Il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, si on prend la Syrie et l'immigration syrienne, effectivement, la Syrie est aujourd'hui un pays qui subit, comme je vous le disais, une guerre absolument abominable. Connaissez-vous un être humain qui n'essaie pas de fuir la guerre et les abominations? Bon, c'est pour ça qu'a été créé le droit d'asile. Mais moi, je pense, et c'est tout à fait vérifiable, que les mouvements d'extrême droite à base identitaire sont bien antérieurs à la guerre de Syrie. La guerre de Syrie, c'est enfin, l'arrivée d'autant qu'il n'y a que l'Allemagne qui a accueilli les Syriens. Les autres pays ont accueilli quelques centaines. Je crois que la France a accueilli 2000 Syriens ou 3000 Syriens. L'Espagne, très très peu. Il n'y a que l'Allemagne, en fait. Il n'y a pas d'autres pays à part l'Allemagne dans l'Union européenne. Quelques milliers. Les États-Unis ont dû en accueillir 20, 25 000, quelque chose comme ça, ou 30 000. La Grande-Bretagne un peu plus, enfin aussi quelques milliers, mais enfin c'est pas. Donc je pense que l'arrivée des migrants syriens en Europe, essentiellement en Allemagne, a été un prétexte, beaucoup plus qu'une cause, parce que ces mouvements d'extrême droite existaient depuis longtemps et se nourrissaient effectivement de cette xénophobie. Alors, ce que l'on peut dire là-dessus, c'est que, effectivement, il y a des mouvements migratoires. Alors, les États-Unis, c'est totalement différent. Je n'en parlerai pas. Les États-Unis sont un pays qui se sont construits sur la migration. Donc, Trump est totalement à l'opposé de ce qui a construit les États-Unis. C'est un pays qui s'est construit là-dessus. Donc, il n'a pas du tout la même appréhension de l'autre que les Européens. De ce côté-là, Américains et Européens sont très différents. Vous devenez Américain très vite. Je vais vous donner un exemple sémantique presque. Dans un pays comme la France, vous prenez un jeune de 20 ans qui est né en France, dont les parents sont nés en France et dont les grands-parents sont arrivés d'Algérie. On va dire que c'est un immigré de la troisième génération. Ce qui, au point de vue du langage, n'a rigoureusement aucun sens. On ne peut pas être un immigré de la troisième génération. On peut être un immigré quand on immigre d'un pays à un autre. Mais en France, c'est un immigré de la troisième génération. Vous allez aux États-Unis ou au Canada, on dit, pour un immigré qui arrive, c'est un Américain de la première génération. Voilà. Donc, vous voyez la différence de langage qui est intéressante. Alors, il est vrai qu'effectivement, vous avez des populations migrantes plus importantes que jadis qui viennent des anciens empires coloniaux, entre nous soit dit. Il ne faut pas oublier que les migrations, au cours de l'histoire, sont des migrations pendulaires. C'est-à-dire qu'entre le XVIe et le XXe siècle, ce sont les Européens qui sont partis ailleurs. Entre 1850 et 1914, vous avez 15% de la population européenne qui est allée aux Amériques et dans les colonies. Imaginez que 15% des Indiens arrivent aujourd'hui en Europe, par exemple. Donc, les proportions par rapport au pourcentage ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, entre le XVIe et le XXe siècle, les Européens ont émigré en masse vers le reste du monde. Ils ont peuplé les Amériques, à partir du moment où les populations premières avaient été partiellement génocidées, d'ailleurs. Bon.
Et ils sont partis aux colonies, les colonies de peuplement, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'actuel Zimbabwe, que ce soit, bon, soit l'Australie, enfin, tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, le phénomène est inverse. Aujourd'hui, le phénomène est inverse, c'est-à-dire que, disons que dans le mouvement mondial des migrations, si on prend toutes les migrations annuelles, vous avez à peu près 60% qui sont des migrations sud-sud et 40% qui sont des migrations sud-nord, à peu près. Donc, les pays européens sont petit à petit contraints de composer avec des populations de cultures différentes, d'origines différentes. Et, comme je le disais tout à l'heure, les idéologies à base identitaire font croire que ces populations créent le chômage, créent, etc. Qu'il puisse y avoir parfois des frictions, c'est compréhensible. Moi, c'est compréhensible, c'est-à-dire que des gens peuvent parfois ne pas supporter, je ne sais pas, que des quartiers soient à dominante, que les femmes soient toutes voilées dans des quartiers, etc. On peut comprendre certaines réactions. Le drame, c'est qu'elles sont instrumentalisées politiquement par les mouvements d'extrême droite qui font de ces populations des boucs émissaires de toutes les fautes. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Si je prends encore un pays comme la France, mais ça, on peut dire la même chose de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Il y a des secteurs de l'économie qui ne pourraient pas marcher sans les populations immigrées, le bâtiment, la restauration, ou en Espagne, qui cueillerait les fruits et les légumes des serres d'Andalousie si ce n'était pas les populations immigrées, parce que les Espagnols ne veulent plus faire, parce qu'on avale des pesticides à longueur de journée, on étouffe, on est malade, on est mal payé. Donc, le triomphe des cultures maraîchères espagnoles, c'est un triomphe qui est dû à la main-d'œuvre immigrée. Donnez-moi un Espagnol qui serait d'accord pour faire ce boulot-là, moi, je suis prête à le rencontrer. Ça, c'était pour répondre. Je crois que la Syrie, dans cette affaire-là, c'est un épiphénomène. Maintenant, dans ce que vous disiez au début, vous dites nationalisme, protectionnisme, je ne mettrai pas le nationalisme et le protectionnisme sur le même plan. Parce qu'il y a des secteurs de l'économie où il n'est pas illégitime d'être protectionniste. Bon. Ou d'actionner ce qu'on appelle certaines clauses de sauvegarde. D'ailleurs, dans l'Organisation mondiale du commerce, il y a, dans les règlements de l'Organisation mondiale du commerce, les pays ont le droit de faire jouer des clauses de sauvegarde quand certains secteurs stratégiques sont menacés, etc. Donc, on ne peut pas être totalement protectionniste, je ne crois pas à l'autarcie, bien entendu, aucun pays ne peut être autarcique, mais le commerce mondial doit être régulé de façon différente qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le nationalisme se sert de la carotte protectionniste pour attirer des populations précarisées par la mondialisation, mais je ne les mettrai pas tous les deux sur le même plan. Voilà. S'il n'y a plus de questions, alors nous voulons plus abuser de votre énergie, même si elle est immense. Et vamos a terminar, pues, y merci beaucoup, Sophie. Merci à vous de m'avoir écouté avec attention. Merci.